Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez sûrement été intrigué par le titre de la vidéo, la trilogie du futur papa. Vous avez bien lu, mais avant, je voudrais revenir sur quelque chose d'autre. Je voudrais sincèrement vous remercier pour tout le soutien que vous apportez pour mes vidéos Pokémon Go. Vous êtes très nombreux à les voir et ça me fait très plaisir. Je sais que certains d'entre vous sont ici sur cette chaîne parce que ces vidéos vous intéressent, mais je ne ferai pas que ça. Sachez-le, j'aime bien toucher un petit peu à tout, mais rassurez-vous, il y en aura d'autres. Ceci étant dit, la trilogie du futur papa. Effectivement, je vais être papa dans quasiment 3 mois. Et je me suis dit que pour fêter ça, pour me faire un petit souvenir, un petit challenge, en décomptant un petit peu les mois, les semaines, les jours, les heures, les secondes, jusqu'au moment où il arrivera, je me suis dit qu'il serait cool de faire une petite série de vidéos comme ça, donc la fameuse trilogie du futur papa. 3 vidéos qui parlent de l'arrivée d'un futur enfant et surtout 3 types de vidéos différentes. On va commencer avec la première qui est tout simplement un jeu vidéo qui s'appelle Mother Simulator. Vous allez voir, c'est tout mignon. Donc nous voici sur le jeu Mother Simulator, donc comme je vous l'avais dit, je ne sais toujours pas à quoi m'attendre. Encore une fois, je n'ai pas testé le jeu avant de vous le proposer, j'ai simplement cherché des jeux qui parlaient de la naissance d'un enfant. Je suis tombé dessus, ça m'a paru vachement mignon. Je sais qu'on va avoir des quêtes, qu'on va avoir des petits défis genre mettre la tutute, changer une couche et compagnie. Un petit peu en mode puzzle, donc il va falloir réussir des étapes fort probablement avant. Il faut faire tout dans l'ordre, comme dans la vraie vie. Nous allons partir, je ne sais pas quoi, select challenge, allez. Nous allons faire un Meet the Baby, c'est le tout premier niveau, on va même pas s'entraîner. Vous savez, on va même pas s'entraîner. Bon, en tout cas, j'espère que mon bébé ne ressemblera pas à ça. Bienvenue dans votre premier test dans Mother Simulator. Durant chaque test, vous pourrez voir des brochures sur le mur. Ce sont des instructions pour les jeunes mamans et les papas. On est en 2019, les gars, c'est fini la maman qui s'occupe du bébé et le papa au boulot. Le papa peut très bien s'investir. Ça va être mon cas. 3, 2, 1. Alors, c'est parti. À côté du bébé, vous pouvez voir un nuage avec ses désirs. Donc il va falloir répondre à ses désirs. Donc il veut une tutute. Il va falloir que je trouve une tutute assez rapidement. Est-ce qu'on peut ouvrir les tiroirs? On peut pas ouvrir les tiroirs. Il y a une tutute. Est-ce qu'on peut lui mettre? Qu'est-ce qu'il est moche? Il est pas content. Il est pas content. Attendez. J'ai récupéré ça à côté d'un évier. Il faut la passer à l'eau. Est-ce que ça marche? Oui. On étale le robinet, évidemment, l'écologie, tout ça. Il est content, bébé. Qu'est-ce qu'il veut maintenant? Qu'est-ce qu'il veut? Ah non, c'est fini. Vous savez quoi? On va le speedrun. Il veut sa tutute. On va aller la chercher tout de suite. On va faire le meilleur score possible. C'est un nouveau record, tout simplement. On peut voir un petit peu les autres joueurs, c'est ça? Je suis le 588e homme mondial à savoir efficacement laver une tutute et la mettre dans la bouche du petit. Effectivement, je dis tutute, je sais pas si dans toutes les régions on dit tutute, je n'en ai aucune idée, ça m'étonnerait. Dites-moi en commentaire d'ailleurs. Mais je continuerai à dire tutute. Un cadeau pour bébé. Alors qu'est-ce que c'est? Ça pue, c'est une couche. Le bébé est vraiment moche. Genre vous avez un bébé comme ça. Effectivement, c'est une couche. La couche est sale. Alors on lui enlève. Ok, est-ce qu'on peut l'acheter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ça marche? Ah, ça va être dégueulasse à terme. Écoutez, est-ce qu'on peut faire ça tout simplement? Ça marche pas? Il faut forcément le jeter? Voilà, très bien. On réessayera tout de suite après. Une couche propre. Allez bébé. Ah, il est pas content? Du talc. Qu'est-ce qu'il est moche? Du talc. Non, dégage! Ah! C'est horreur. Je suis le pire papa du monde! On restart, c'est pas grave. Allez hop, on dégage la couche. Allez, on le prend. On le fout là. On prend ça. Il est content, allez hop, c'est bon, c'est fini. Your score, 47 secondes, c'est bien. On enchaîne, on va prouver qu'on est le meilleur papa du monde. Le dîner est servi, donc c'est à base de biberon. Donc, le biberon, il a faim, où est-ce qu'il est le biberon? Le biberon est là, bon ok. Hop, on va le laver, déjà, premièrement. Très bien, allez hop, passe-toi. Non, pas toi, toi tu viens ici. Toi tu passes sous l'eau, on éteint ça. Mais non! Ah merde, ils tombent à terre. Merde. Ils sont salis quand ils tombent à terre. La couillonnerie, je suis une quiche. Je suis une tanche, que dis-je? Est-ce qu'il faut le mettre dedans? On va le poser, on récupère ça. Il me reste plus beaucoup de temps, on essaie d'aller vite. Très bien. Non! Passe-toi droit, toi tu viens. Mais non, mais tu es con! Pourquoi tu fais des si grands mouvements, espèce de teubé? Évidemment, il va plus y avoir de trucs dedans. Ah, c'est comme ça qu'il fallait jeter tout à l'heure! Ok, mets-toi là, vas-y, viens ici. On peut aller tout doucement en fait. Mais c'est quoi cette merde? On va recommencer. Il y a un truc que j'ai pas bien compris dans l'histoire. Il faut laver, allez.
Très bien. Est-ce que je le remplis assez déjà? Ça, on va le laver. On lave. Est-ce qu'on peut juste le lâcher? Est-ce que ça marcherait? Ça marche! Oh là là, mais en fait c'est tellement simple et je me fais avoir à chaque fois. Mais qu'est-ce qui va pas? It's time to pour... Est-ce que j'ai juste mis l'eau, en fait? Oh, mais je suis tellement con, les gars. Allez, on restart. J'ai pas pensé qu'il fallait mettre à manger, en fait, dans l'eau. Je me suis dit, c'est peut-être du lait qui coule. Bref, hop, on va laver la tétine. On va prendre ça. C'est bon, là? On prend ça. C'est bon? J'étais pas sûr que la bouffe s'était mise dans le biberon. Ah, il veut sa tétine, maintenant. Ok, ça tutute. On va la laver. Ah oui, en plus, il n'y a pas qu'un seul truc à faire par niveau, quoi. Ça, il est pas trop casse-couille, le gamin. C'était moyen. Ça commence à être un peu compliqué. Je vous le cache pas. Donc, moi aussi, maintenant, je dois manger. C'est sale. Oh, putain. C'est quoi cette maison-là? Très bien. Allez. Il n'y a pas d'eau dans cette maison de merde? Il faut que je mange. Où est ma bouffe? Ici. Vite, vite, vite. Faut que je lâche les objets. Allez, c'est parti. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Il veut à manger, pas de soucis, il faut juste que je fasse attention à ma propre bouffe. On fait couler ça. On remplit, tout se passe bien. Ici, là, j'avais pas vu tout ça à manger. On va tout manger, on sera tranquille un bon bout de temps. On prend une cuillère de ça, on la met là-dedans, on prend ça. Et est-ce que bébé sera content, là? Parfait, il veut sa tutute. Elle est là, sale encore une fois. Il est crado, le gamin, hein. Ou alors c'est moi qui suis crado, en tant que parent. C'est bon, là? Mais il va... Eh, hein? Tu commences à me faire chier. Regardez, hop. On prend le bébé, on va le mettre sur le lit, ça ira très bien. Je suis un bon père! On va lui talquer le cul, c'est parfait. Toi, tu dégages. On lui met sa couche pour cacher son zizi. Et c'est la victoire. Et c'est plutôt pas mal, hein. Je pense que c'est plutôt pas mal. J'ai galéré un petit peu avec la bouffe. 2900. Je vais regarder le score des premiers. Non mais, 5 secondes pour finir le niveau, sérieusement. On enchaîne. Là, je suis chaud, les gars, je suis chaud. Je vais être un bon père, c'est moi qui vous le dis. Du basket. Si c'est juste du basket de caca de bébé, 0 sur 10. Ok, alors quoi? Plus 42 points, c'est bon ça. On va essayer en haut à droite. Non, c'est raté. C'est les voisins qui vont être contents en fait de voir ça. Bon allez. Ce qui est marrant, c'est que ça va être dans mes derniers jeux Steam joués. Et quand je serai en live, ça arrive souvent que des gens viennent m'ajouter en ami. Et sur mon profil Steam, ce sera marqué j'ai joué à ça. Elle est pas belle la vie. Voilà, j'en ai mis 10 sur 10. Voilà. Ah, empoisonnement à la nourriture. Ah, ça va sentir le caca, les gars. Ça va sentir le gros caca. Avez-vous déjà senti du caca de bébé? Dites-le en commentaire. Ça pue. C'est vert fluo, il y a des trucs chelous et tout. C'est moi qui dois faire caca. Je dois changer le bébé. Ok. On va le foutre là-dessus, ça marchait très bien tout à l'heure. Où est-ce que t'es, Touette? Là-bas. On voit tout, en plus. Elle est pas belle, la vie? Allez, on part sans s'essuyer. Le talc. Viens ici. Raté, c'est pas grave. Nickel. Alors, on va te refoutre dans ton lit. Je perds des points pour ça. Il me reste vraiment pas longtemps. J'ai pas le temps, j'ai perdu. On recommence. Donc là, on connaît. On va commencer par le caca. Vas-y, et puis on profite du paysage. C'est bon? Plus 20 points. On enlève ça. On va gagner quelques points peut-être. En jetant ça. On a raté visiblement. On prend ça. En fait, j'avais peut-être pas besoin d'enlever le bébé à chaque fois. Je me casse le cul. Toi, tu dégages. Je me casse le cul à chercher la table à langer. Plus 10. Il va vouloir sa tutute. On est vachement plus efficace que tout à l'heure. On s'en rend pas compte quand on joue, mais on perd beaucoup de temps sur des conneries. Et puis, il doit rester un truc à faire après. Il faut que je vide mon colon. Alors, qu'est-ce qu'il veut le bébé maintenant? Il a faim. Vas-y, le pire truc au monde là. On prend ça. On met dedans. On prend ça. On fait ça. On pose délicatement. On rebouche. On prend. Normalement, il y a tout là. Il y a tout. Et puis, on va faire caca. On va faire caca. Sinon, ça va mal se mettre. J'espère que le bébé n'attend rien, sinon je perds des secondes, juste pour chier. Ou alors c'est prévu. Ah non, je gagne du temps, en fait. Qu'est-ce qu'il veut? Mais il est dégueulasse. Il n'y a pas de couche propre. Ils les ont cachées, ces bâtards. Non, mais je vais perdre parce que je sais pas où sont les couches. C'est bon? C'est bon. J'ai paniqué, les gars, j'ai paniqué. J'ai cru que j'allais devoir tout refaire. Parce que genre de rien, c'est la pression, hein. Bon voilà les gens, c'est déjà la fin de la vidéo. Ça m'a vraiment plu de tester ce genre de jeu. Je pense que je vous sortirai l'épisode 2 pile dans un mois, comme ça, ça nous laisse un peu de temps pour faire autre chose, faire d'autres concepts sur la chaîne, d'autres jeux, d'autres vidéos que je voulais faire. N'hésitez pas à me dire tout simplement dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ça me ferait très très plaisir d'avoir votre avis. N'hésitez pas à la partager, à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et moi, bah, je vous dis tout simplement à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !